Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, on va faire une vidéo aujourd'hui différente de ce que j'ai d'habitude parce que j'adore voir ces vidéos aussi 24h. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font ce genre de vidéos 24h, je mange comme Britney Spears, etc. Et je me suis dit, mais pour mec, ça existe pas. Genre, j'ai vu juste qu'il y avait Arthur Monsa qui avait fait 7 jours en machin. Mais personne n'a encore fait Justin Bieber. Du coup, on va commencer par Justin Bieber. Voilà, on va passer une matinée, la morning routine de Justin Bieber. Bon, comme vous voyez, c'est pas le matin parce que je fais cette intro la veille parce que demain on va se lever tôt. Voilà, donc écoutez, le sang, abonne-toi avant de commencer et lâche un petit pouce bleu et bah, moi. Oula, alors je sens pas du tout Justin Bieber. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous l'aurez vu, aujourd'hui on va faire Justin Bieber. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais c'est une des seules stars qui se lève aussi tard. Vraiment, c'est 8h du matin et je suis reposée, je suis bien. On va commencer sa petite journée à JB. J'ai perdu mon hôtel. Alors j'ai une phobie sur Terre, c'est la personne qui baille. Je viens de le faire devant vous. Mais c'est pas votre phobie, donc c'est pas mon problème. Alors, comment Justin Bieber commence sa journée? Réveille 8h, il va à la douche à 8h30. Déjà, tu fais quoi pendant une demi-heure le quiz? Il prend une douche de 1h. J'ai pas le temps de prendre une douche de 1h. Et après, il prend son petit déj à 9h30. Du coup, moi, ça va me laisser le temps de faire ma valise parce que je pars ce soir à San Francisco. Donc écoutez, mais voilà, on va y aller. Bah, mos. Mais ça va pas. Mais je vais faire quoi pendant une demi-heure là, entre 8h et 8h30? On va ranger ma chambre, mais donc il va se doucher à 8h30, mais il va à la salle à 10h30. Donc tu te redouches après, tu peux pas te doucher justement après la salle. En plus, il prend une douche d'1h, le bolos là. Mais attendez, j'ai pas tourné le truc avec les youtubeuses, genre quand elles mettent le réveil qui sonne et tout, on va faire comme je veux trop le faire. Écran en gradé, hop là on voit pas, là on voit pas. Alors quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs, alors que je veux dire, ses fans connaissent toute sa vie, mais ça passe à morning routine. Et il y en avait qui disaient non, il se lève à 6h, non, c'est là à 10h, non, c'est là à 8h. Mettez-vous d'accord. Bon, ben c'est 8h30, je suis sur la pointe des pieds parce que je peux pas vous poser l'air. Du coup, on va se doucher. D'ailleurs, j'ai rien trouvé sur le Justin Bieber pour sa morning routine, j'ai juste trouvé ça. People keep asking me, Justin, how do you do it? How do you wash your face in the morning? Voilà qu'on fera après, c'est la belle visage juste. Donc écoutez, vamos a la ducha, vamos a bañarnos. En fait, sa morning routine, c'est un peu genre une slow morning routine comme disent certaines youtubeuses là, qui prennent le temps et tout. Mais lui, c'est pareil quoi. Je fais pas non plus l'expérience de prendre la douche concrètement, vu le prix de cette caméra, je vous laisse. Je vous retrouve après. Bon, j'ai vu que Justin Bieber prenait la douche de 1h. Je sais pas si c'est vrai concrètement. Il y a beaucoup de fake news sur internet. Bon, concrètement, j'ai pas que ça à foutre de prendre une douche de 1h. Voilà, bon, on va faire ça. Oula, je vais chercher mon téléphone pour faire ça truc là. Alors, qu'est-ce que fait. Mais vous voyez rien là. Qu'est-ce que fait Mister Justin Bieber dans sa morning routine? Il a fait une vidéo sur YouTube qui est d'ailleurs très gênant. Bon, dis le mec qui a une coupe. On dirait que je me suis mis un pétard dans les cheveux. Alors. People keep asking me, Justin, how do you do it? How do you wash your face? Personne ne te demande de comment tu lèves ta figure, frère, mais c'est pas grave. Placement de produits. Mais bon, tu mets un sérum sur ta peau, quoi, alors... Donc moi, écoutez, je vais faire ma petite routine. Moi, de base, je suis dans la douche, mais je savais pas que... Enfin, je sais pas si c'est mieux de faire dans la douche ou pas. Moi, je prends ça. Alors, ça fait 6 mois que j'utilise ça. Et j'utilisais celui-là avant. Enfin, j'utilisais deux, en fait. Je fais en fonction du mood. Tout le monde m'a dit, oui, c'est révolutionnateur. Ça enlève les pores dilatés, je sais pas quoi. J'ai des pores dilatés comme jamais sur le pif. Mais c'est pas grave. Bon, effet sans la douche. Je sais pas comment ça fait. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Merci d'avoir suivi cette morning routine, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, hein, lol. Bon, je vais me rincer le visage, mais ça, lui, c'est dégueulasse. Là, c'est 8h40, donc du coup, Monsieur Bieber, vu qu'il prend sa douche qui dure 1h, ben du coup, lui, il mange qu'à 9h30. Du coup, bon, attends, 9h30. Comme j'ai dit, je pars à San Francisco aujourd'hui. Du coup, il faut que je finisse mes affaires. Plus, on va aussi s'habiller en sport parce que Monsieur va à la salle après s'être douché. Gros crado, parce que ouais, moi, je me douche après. Attendez, je vais vous faire une transition. TikTok, allez, bah, bon. Are you ready? Bon, j'étais pas du tout au même endroit, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait un petit clin d'œil à notre ami Justin, parce que leur vu qu'il habite à LA, j'ai un t-shirt Los Angeles que je mets souvent au sport parce qu'il est oversize. Voilà, j'ai pas d'habit sport.
faim. Moi, quand je me lève le matin, il faut que je mange direct. Donc, je fais ma liste de faim. Mais du coup, là, je peux pas le faire parce qu'il faut attendre 9h30. En plus, c'est ma phobie sur terre, ce mec. Déjà, je vous dirai après son repas de midi, c'est ma phobie sur terre. Mais son petit déj, c'est salé. C'est salé. Parce que monsieur a dit dans l'interview qu'il ne mangeait plus de sucre. Je mange du sucre tout le temps. Concrètement, mon petit déj, c'est genre du sucre. Du coup, là, je vais manger des œufs. Du bacon, du coup j'ai acheté du bacon végé, ça va être dégueulasse. De l'avocat avec du pain, bon, ça encore ça va, c'est basique. Mais. Alors concrètement, là je me fais chier, vraiment. Genre j'ai faim, j'ai soif, j'ai tout. Mais en fait, vu que je pars à San Francisco, faut que je prévoie mes vidéos à l'avance. Du coup, je suis en train de faire du montage là, je vais me taper 1 heure de montage, comme ça sera fait. Sinon, je ferai jamais. Voilà, donc. Bon, les gars, c'est. On va rien du tout, c'est 9h09, j'ai du rouge à votre nez. J'ai un petit bracelet avec un petit œil rouge, comme ça je sais qu'il faut que je touche mon nez et du rouge, je vais pas chercher autre chose. Bref, c'est 9h10, je vais aller faire à manger, je crève la dalle, mais je crève la dalle. Bon, je suppose que Monsieur Bieber, vu l'argent qu'il doit avoir, il doit avoir un cuisinier qui peut faire des œufs, mimosa, je sais pas quoi, et moi j'ai pas ça, moi j'ai pas la thune. Bon, bah du coup, je viens de faire son petit déjeuner, alors concrètement, ça a l'air trop bon par contre. Il mange d'ouf, enfin, après il mange d'ouf, c'est moi qui me suis fait deux tartines aussi. Ça on va goûter direct, c'est les trucs végés là. Du coup j'ai pas trouvé du bacon végé. J'ai pris des pepperonis végés. Déjà l'odeur, déjà moi en fait la viande j'aime pas. Oui parce que je suis végé, enfin, je mange du poisson de temps en temps. Ce qui m'a fait arrêter la viande c'est que j'aime pas le goût. Mais là du coup ça a goût à l'anis, c'est dégueulasse, bref. En tout cas bon app. Je valide, vraiment il y a les cheveux, ça me dégoûte. Et bien sûr on mange à bouche fermé, voilà. Alors, vu que je suis végé, est-ce qu'au végétarien, je mange beaucoup, beaucoup d'œufs, je mange tous les jours. Du coup, ça c'est mon repas typique, c'est une omelette avec du poivre. Parce que je mets masse de poivre et de sel parce que j'adore le sel, j'adore le poivre. Parce que genre c'est les vegans qui mangent pas d'œufs, moi je mange des œufs encore. Justin Bieber va au Tim Hortons, comme dit ici, au Tim Hortons, c'est une chaîne de café, de... Ouais, c'est une chaîne de café. On vous dérange? C'est une chaîne de café, c'est un peu comme Starbucks mais version Canada. Parce qu'en fait il n'y en a pas à côté de chez moi. Du coup j'ai acheté des capsules Nespresso. Parce que j'ai une machine Nespresso Tim Hortons. On va goûter. Il est grave bon le café. Moi j'aime le café qui est voilà, qu'on prend du café sans sucre et corsé. Et en fait le jour où tu commences le café et que tu veux boire du café souvent, si tu commences avec le sucre, tu vas boire du sucre toute ta vie. Ou genre tu vas avoir du mal à le réduire. Alors que moi j'ai commencé directement sans sucre. Et au final maintenant j'adore, voilà. Donc pourquoi je dis ça? Je sais pas, en tout cas c'est 9h35. Comment vous dire qu'il nous reste encore 1 heure avant d'aller à la salle. Du coup bah, je vais avancer sur mon travail parce que bah, lui passe du temps avec Hailey Bieber et tout. Bon, vous voyez qu'on voit, il y a Hailey là. Hailey, ça va? Non, il y a personne du tout, je suis tout seul chez moi, genre célibataire jusqu'à l'os. Du coup bah, on va passer du temps avec mes mails, mes travaux de groupe, mes vidéos. Tiens, j'avais zappé, voilà, ça c'est la magie des calendriers. J'avais zappé que j'avais un appel, un call pour un projet pro, non pas pour un projet tout, pour une collab juste, à 10h. Heureusement que j'ai un cerveau d'avoir mis ça sur mon planning, sinon j'allais complètement oublier. D'ailleurs, là je suis en train de... En fait, moi je pense que j'ai une addiction au sucre. C'est pas je pense, genre j'ai une addiction au sucre, genre avant-hier, j'étais chez moi et j'avais trop envie de bonbons. Mais quand je dis trop, genre j'étais à moins de... C'était 21h30. Je me suis dit, est-ce que je vais au magasin qui ferme à 22h acheter des bonbons? Parce que j'avais trop faim. Après, je me suis dit, non, vas-y, Clément, quand même, t'abuses. Mais je crois que j'ai une addiction aux bonbons. Du coup, là, j'ai une addiction au sucre. Là, genre, c'est pas sucré ça. C'est genre des œufs avec de l'avocat. Du coup, j'ai trop de manger un petit carré de chocolat parce que j'ai du chocolat. Rien d'y penser, genre, j'ai des frissons. Genre, bon, ça se voit pas trop, mais j'ai des frissons. Bon, dans 10 minutes, j'ai mon call pour ma collab. Vous voyez, là, je suis habillé en mode poubelle. On va faire un ravalement de façade en 3 minutes. Attendez, je fais un petit, une transition. Tadam! Il y a rien qui a changé, j'ai mis un pull. Je me suis brossé les dents aussi, vous pouvez bien sentir là. Voilà, c'est meilleur. Les bonbons que je vous parlais après, que je suis accro, c'est ça. Les Sour Patch Kids, j'ai acheté un paquet de 355 grammes. Parce qu'en fait, c'est des petits bonbons comme ça. C'est trop bon, ça pique sa mère. Mais vu que Justin Bieber n'a pas de bonbons, ni de sucre. Voilà. Oh, TD pour la salle. Aujourd'hui, du coup, on fait la séance FIAC, la séance Q. Alors, je suis allé faire du sport. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que j'ai un appel dans 10 minutes. Mais je recommande pas ça. Morning routine, il n'y a aucun.
Rapport. Genre le gars, il se lave, déjeune, il va au sport et il se relave. C'était pas écrit qu'il se relavait dans sa morning routine, mais j'espère, j'ose espérer qu'il se relave. Parce qu'en plus, il fait du sport de 12h30, j'ai vu jusqu'à 13h20. Enfin, il mange à 13h20. Bon, déjà, je pense qu'aussi un peu du mytho sur ce site. Mais en fait, vu qu'il a pas trop dit, je pense que tout le monde s'est un peu inventé une vie sur ça. Mais du coup, moi, je fais avec une source, donc voilà, je sais pas si c'est la bonne source. Justin Bieber, if you see this video, tell me if it's okay or not. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, donc là, on va se retrouver après pour le repas. Je fais mon appel. J'ai ma valise et je vais accessoirement ranger ma chambre qui est un bordel parce que je suis en train de faire la valise. Et on se retrouve du coup ben, quand je vais faire à manger. Alors, je ne suis pas direction. Non, Bolibur. Mais j'ai le t-shirt Eleven Paris à Colvay, que je trouve ça affreux les Colvay. Bref, Justin Bieber et j'ai aussi. On n'avons plus de passoire à son, on la vaisselle, voilà, donc on va s'occuper de ça, je sais pas comment, avec les moyens du bord, comme on dit. Ah, ça c'est chaud. Ah, c'est chaud. It was at this moment that he knew he fucked up. Je sais pas si c'est à comment, mais j'ai un truc dans ma vie, c'est manger des pâtes crues. La meilleure, c'est quand elles sont moitié cuites, alors je les mets dans l'eau là comme ça. Le plat préféré de Justin Bieber apparemment c'est les spaghettis bolognaises. Donc comme je dis après c'est ma phobie sur terre. La tomate je ne l'aime que crue. En sauce je déteste, le ketchup j'aime pas. Les tomates farcies, les tomates chaudes, les tomates, tout ça je déteste. Là vu que je suis végé, j'ai pris une bolognaise végé. En plus je pensais qu'elle coûtait 3$. En fait c'était genre si t'en prenais deux, c'était genre la deuxième à 3$. J'ai payé 12$ le pot de bolognaise que j'aime pas, du coup je voulais la manger. Bon alors crash test des pâtes bolo déjà de 1, ça fait depuis le lycée que j'ai pas mangé ça. Parce qu'au lycée quand il y en avait, qu'il y avait que ça, tu mangeais ça, ça prend comme ça. Moi je vais refaire après. Je vais faire un shaker de prot. Ça fait trop les gros bofs, voilà, mais je vais faire un check de prot. Je prends quel type de prot? Je prends des prot. J'aime pas. J'ai une question. En fait, ça m'a aimé ça ou c'est vraiment bon? Non, je suis désolé, bon, je vais manger parce que vu le prix que j'ai payé, je vais pas gaspiller, mais je trouve ça dégueulasse. La morning routine de Justin Bieber. Bon, ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire sur d'autres personnes, genre dans les commentaires, sur quelque chose d'autres personnes et tout. Moi je suis grave chaud, genre je pense que je vais faire rendez-vous One Direction la semaine prochaine. Je vais coffre la semaine parce que je vais aller aussi manger autre chose parce que là j'ai trop faim. Je peux pas manger juste des pâtes bolo, ça me remplit pas l'estomac. Faut que je mange des protéines parce que je vais aller à la salle ce matin, donc il faut bien entretenir ce corps de rêve. Donc voilà, du coup, on se retrouve du coup. Dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, bisous les seins, passez une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas quand va cette vidéo, mais...